J'ai rencontré Gauthier il y a une dizaine d'années sur les bancs de la fac. On s'est mariés il y a un peu plus d'un an et on va vous raconter l'histoire de la suite logique du mariage, c'est l'achat de cet appartement. C'est vrai que tous les deux ont travaillé depuis un certain moment et c'est vrai que ça nous tenait à cœur finalement d'avoir notre chez nous, notre vrai chez nous. Après, ça nous faisait peur, ça c'est clair. Oui. Devenir propriétaire, c'était un petit peu l'inconnu, où on ne savait pas trop vers quoi on se dirigeait. La paperasse, rembourser tous les mois. Le fait d'avoir un prêt, voilà. Mais au final, on est tombé sur cet appartement, on n'est pas forcément prévu d'acheter si vite, c'est vrai. Et c'était le coup de cœur, un petit peu comme notre rencontre. Comme notre rencontre. Donc finalement, on s'est dirigé vers ma banque, le Crédit Agricole de Lorraine, pour savoir déjà si on pouvait accéder à l'immobilier. Et ma banque, mon ancienne banque. C'est vrai qu'on a fait des comparaisons entre les banques. Finalement, on s'est positionné sur le Crédit Agricole de Lorraine. C'est là qu'on a, je pense, eu le plus d'écoute, de conseils. Et puis l'offre était la plus intéressante. La proposition était intéressante. Et du coup, maintenant, on est tous les deux clients du Crédit Agricole de Lorraine. On est suivis quotidiennement, mensuellement. Notre conseiller est dispo tout le temps. Par texto, par Facebook, c'est hyper pratique du coup parce que dès que j'ai une question, je l'appelle par tous les moyens et j'ai une réponse souvent dans l'heure, il est super sympa. Alors quand on a fait les premières visites, moi j'avoue j'étais un peu paniquée au niveau des paperasses et tout et du coup Gauthier a contacté le conseiller du Crédit Agricole de Lorraine. Tout de suite, le dossier a été pris en charge, le financement a été opéré dans de bons délais, donc c'est vrai que ça a été plutôt rapide. Ça a pris quelques mois en fait, ça a été hyper rapide. Ça a été hyper rapide. En fait, on a eu l'offre de prêt qui a été acceptée, on a signé notre compromis de vente ici, et après on est passé chez le notaire et il y a eu le virement des fonds qui s'est fait, sans notre intervention, en fait ça s'est fait automatiquement. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est juste signer les papiers. C'est ça, en fait. C'est donc, c'est pour nous, c'était super. Juste une petite signature et on a eu les clés de notre appartement très rapidement. C'est vrai qu'on est un couple qui déborde un peu de projets. On s'est mariés, on a acheté un appartement, on a pas mal voyagé ces derniers mois. Et là, on a décidé de mettre un futur projet en route. Et il y a une essence qui va arriver d'ici quelques mois. Et on est ravis que le Crédit Agricole de Lorraine nous suive aussi sur ce nouveau projet. Sur le projet bébé.